Bonsoir. Oh, bonjour. J'ai eu des abonnements pour la pub gratuite. La pub gratuite. Mais il y a un problème avec les abonnements, c'est que j'ai 6 abonnements en plus, mais ils sont tous camouflés, ça veut dire ils sont pas ouverts au public. Je sais pas les rejoindre. Le premier abonnement public gagnera la pub. Ces abonnements que j'ai eus ne me servent pas parce que je ne sais pas les contacter. Il faudrait un petit message et un abonnement pour pouvoir contacter. J'ai reçu des messages et des abonnements, mais ils ne sont pas dans ma chaîne. J'arrive pas à les retrouver. Alors, le premier abonnement public aura gagné la pub. Il suffit de faire public si vous avez envie. Ou on attendra le prochain abonné public. Maintenant, on va fumer. Le cigare. Asylum 13, je crois que c'est dominicain. C'est pas cubain, mais je sais plus ce que c'était. Comme ça, on sent pas les arômes encore. On va l'ouvrir le sachet. Je vais l'ouvrir comme ça. Ça sent bien. L'air floral, mais je sais pas, très bien. Je vais allumer la. Alors, les gars, pour les abonnements, il faudrait que ça soit public. J'attends le prochain abonnement. Le prochain abonnement public sera gagné à la pipe. Je l'envoie chez lui gratuitement. Je viens de commencer à sculpter des pipes. C'est mes premières, mais ça m'amuse de les donner au public, on va dire, aux abonnés. Prochainement, je ferai des questionnaires pour les abonnés et je donnerai des pipes aux gagnants. Ça va être amusant. J'ai laissé mon adresse email pour mettre l'adresse en privé. Et j'enverrai gratuitement la pub à sa maison. J'ai fait d'autres pipes, genre celle-là. Mais c'est des pipes utilisées, je ne vais pas les donner, j'imagine. Moi, que quelqu'un les veut. Faudra bien la nettoyer, là. J'ai fait celle-là. Il y en a d'autres, mais ils sont pas encore terminés. Celle-là, il faut la donner la couleur. Alors voilà, pour les abonnés, il faut que ça soit public, que je puisse accéder.
Sinon, ça, je ne peux pas donner la pub à un abonné que je ne sais pas localiser. Je fais ces petites vidéos pour éclaircir ce problème. Dès que j'aurai un abonné public, ouverte publiquement, il aura sa pub directement chez lui, à la fin du mois, voyez. C'est celle-ci qui va être envoyée. Un moustique. C'est mes premières tailles, alors bon, ils sont bien. Je ferai mieux plus tard, j'imagine. Mais gratuit, on va pas se plaindre. J'ai des abonnés qui apparaissent sur mon GSM, mais qui n'apparaissent pas dans mon ordinateur avec les autres abonnés. Qui veut dire que je ne sais pas le contacter. Moi que je contacte à travers l'abonnement, je sais pas. J'ai essayé, j'ai pas trouvé. Peut-être essayer le cigare. Asylum 13. Très joli cap. Obscurci. Névreuse. Très très joli. Calibre, je crois que c'est un peu plus gros que le Robusto. Oui, parce que ça rentre pas dans ma bague. Ma bague de Robusto, ça rentre pas. Ça doit être, comment on dit, peut-être Corona, ou je sais pas comment on dit. On va enlever ça. Ah ouais, celui-là il faut le vendre. J'ouvre ce gars. Dans ce sens-là. Ça sent un peu la vanille ou quelque chose qui ressemble à la vanille caramélisé comme ça. Voilà. Alors, ce briquet qui va plus. Utiliser le briquet à pipe. Le cigare, il était à 9 € 10. Je vais faire la vidéo un peu plus tard, mais vu qu'il y a un problème d'abonnés, j'ai 6 abonnés en plus, mais aucun présenté publiquement. Je ne sais pas les contacter.
J'ai reçu un message et je ne savais pas répondre au message. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est peut-être un problème de YouTube. Je vais attendre un jour ou deux, voir qu'est-ce qui se passe. De toute façon, c'est noté le premier abonné qui va avant, qui va après. Il ne va pas avoir de problème. Là, j'ai fait, il faut donner la couleur. Une espèce de chauve-souris, bonhomme chauve-souris, avec son auréole. Mais celle-là, elle est utilisée, elle est culottée, utilisée, c'est deuxième main. Faut aimer si quelqu'un veut. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les scorpions. Que maintenant j'ai fait un homard. Fleurs, les pétales et un homard qui sort d'une fleur. Ben, c'est pas mal le cigare, mais bon. Je voulais acheter les cigares belges, mais ça se vendait par boîte. Toute une boîte, c'est peut-être beaucoup. Mais je crois que je vais quand même la prendre pour essayer les cigares belges. C'est sûrement pas faire la main, c'est faire la machine. Je sais pas comment c'est. Je savais pas que ça existait des Belges et des Européens. Cigares européens, c'est pas faire la main, c'est faire la machine. C'est pour ça que ça a moins de valeur. Je prendrai une boîte de Belges, pure Belge. Et on va voir ce que ça va donner. J'en ai jamais fumé, je sais pas. Et ça fait un peu pimenté celui-là. Pimenté, piquant. Un peu terreux. Il y a un peu de sous-bois, je crois. Très agréable. Asylum. Je ne connaissais pas. Jusqu'à maintenant, je n'avais jamais fumé ce cigare. Comme toujours, j'espère que le volume sera bien. On parle pas très fort et il y a beaucoup de voitures. Je crois que j'irai habiter à la campagne. On va écouter le coq. Oui, parce que le coq en ville, c'est interdit. Personne ne veut se réveiller tôt. Ouais, plein de gens qui se lèvent tôt en ville. Déjà ici, l'action commence à 5 h du matin. J'habite Bruxelles. Bruxelles. Alors revenons à la pipe.
premier abonné public aura la pub gratuite envoyée chez lui gratuitement. J'ai fait des tailles, petite sculpture, sculpture non, c'est plus de la taille, la gravure, toute la gravure, des moustiques, une araignée. Qui est sympa pour être gratos. Ça, c'est chouette de pouvoir partager avec les avec le public. J'en ferai d'autres pour les abonnés. Je crois que ça va être mieux pour les abonnés. Faire une question et le premier qui répond correctement aura la pub. J'en achèterai d'autres parce que les pubs utilisées, je vais pas les donner. Ça, je sais pas si quelqu'un en veut. Pour les nettoyer, je crois que je vais acheter le produit de nettoyage de pipe. Et je dois acheter le... Comment ça s'appelle? Je sais plus comment c'est. Pour nettoyer l'intérieur de la pipe, bien gratté, qui s'ouvre dans la pipe pour la nettoyer. Je dois l'acheter absolument parce que j'ai des pipes très encrassées. Je nettoie... Il y a des gens qui frottent leur pipe à chaque fois et alors ils sont propres, mais moi je ne peux pas. Ils sont très encombrés. La pipe à l'intérieur fait une couche très épaisse. J'ai déjà nettoyé. Mais... Très bon cigare. J'aime bien quand c'est de couleur foncée, comme si c'était brûlé au feu, séché au feu, je vous remercie. Bon, je ne vais pas attarder parce que la vidéo c'était pour dire que les abonnés doivent être publics, ouverts au public, pouvoir les voir, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Ce sera pour le suivant abonné publiquement. J'ai 15 vidéos. Sur ma chaîne, il y a écrit 25 vidéos. Ils n'ont pas encore changé. Il y avait des vidéos avant que j'ai enlevées. Ça ne devrait tarder à revenir à l'ordre. Très bon cigare. Il passe bien, il n'est pas trop fort. Il y a moyen d'en fumer plusieurs, j'imagine. Sinon, que d'autres? Ah ouais, le tabac que j'avais acheté. Holger Dasclay. J'ai acheté le rouge Ruby Mélange et le Bourbon, je crois que c'est au Bourbon celui-là. Mais ils sont bons, mais on ne sait pas fumer souvent, constamment, parce que c'est un peu lourd pour le palais. Ils ont un très très bon goût, mais on ne sait pas les fumer constamment, comme je fais moi, je fume une pipe derrière l'autre. Il y a d'autres tabacs plus faciles à fumer. Ceci, c'est bien pour fumer au soir, une ou deux pipes à la maison, mais... Pour fumer constamment comme je fais moi, c'est un peu lourd. Sinon, il y a des cigarillos. J'ai acheté cigarillos de Don Pablo.
qui sont pas mal, sont assez forts. Oh. Ça se présente comme ça et il faut allumer, enlever la pointe, allumer. Ils sont de très bon goût. Je crois que c'est 5 euros aidés la boîte de 10. Don Pablo. Ils sont très bons, assez forts. Bon, quoi dire d'autre? Je vais faire le rappel de la pipe et puis je vais. Montrer un peu les buts. On va voir si on voit bien. Celui-là, il manque la couleur. C'est un espèce de diable chauve-souris avec un auréole. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Les scorpions. Et on arrive à le voir. Petite fleur, la bête qui sort d'une fleur avec ses tentacules. Celui-là, je dois un peu les limer. J'ai pas le matériel adéquat. J'ai pour tailler, mais je dois trouver des petites limes en pointu. Pouvoir limer avant de donner la couleur. Maintenant, j'ai donné la couleur, je vois les défauts. Je dois passer un peu la lime, je vais me trouver le matériel nécessaire et je ferai ça plus correctement. Sinon, voilà, ça c'est la pub qui veut gagner, les neuf. C'était quoi? Spitlir. Une Spitlir. Droite. Foyer petit mais assez profond. Il y a la bête. J'ai rajouté la toile d'araignée. Elle sera envoyée au premier abonné qui sera publiquement présenté. Salut. Qui sera publiquement présenté. Je l'enverrai gratuit chez lui. Il pourra me donner l'adresse dans mon email ou dans message privé comme il a envie. Voilà, petit rappel, problème d'abonnés. J'ai 6 abonnés mais aucun public. Maintenant, vous le savez, ou public ou bientôt pour les abonnés aussi. Merci, au revoir, bonne soirée. Je vais mettre